Je comprends pas, tu veux pas sortir dans la neige? Je comprends pas. C'est génial la neige. Doudou? Allez, viens mon chat. Non? Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Toujours un peu le vlog hugueux, hein, on le fait un peu... Hein. On le prolonge un peu, mais je n'ai pas l'impression que ça va vous déranger vu les commentaires que j'ai eus sur les précédents épisodes. Je vais commencer à me présenter. Je suis Sylvie, je suis expatriée en Angleterre, à York, dans le Yorkshire, dans le nord-est de l'Angleterre, où aujourd'hui il neige, donc c'est limite je suis sortie juste en mettant quelque chose sur mon pyjama pour pouvoir profiter un peu d'une balade juste en dehors de chez moi. On est reconfiné après confinement, enfin on dit que c'est le troisième confinement ici en Grande-Bretagne. Franchement, vu la tronche du deuxième confinement, non, c'est vraiment que le vraiment pour moi c'est le deuxième confinement, parce que alors le deuxième officiel c'était vraiment du gros n'importe quoi, enfin bref. Donc oui, donc on est reconfiné comme l'année dernière en avril-mai quoi. Mais donc voilà, aujourd'hui il neige, donc je suis juste sortie un peu juste derrière chez moi pour ma dose d'exercice physique en plein air. Et du coup, pour une fois, je me suis rappelée d'avoir mis une carte mémoire dans l'appareil photo. J'étais partie en balade, c'était quand? Juste après le nouvel an, je crois, où j'avais complètement zappé. J'ai parti, genre ouais, je prends des images, youhouhou. J'ai oublié de mettre la carte mémoire, bravo. Je l'ai fait ce matin, très bien. Et du coup, donc voilà, voilà. Donc moi c'est Sylvie, je suis sur différents réseaux sociaux, YouTube, mais aussi Instagram, bon, Ravelry bien sûr, quoique mon Ravelry, franchement, à part me servir une bibliothèque à patron, ça sert pas à autre chose, hein. Ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai pas mise à jour, et franchement c'est pas une liste de priorités en fait. Mais cela dit, vous pouvez me trouver dessus. Et voilà, j'ai aussi une boutique de laine teinte à la main, Phileas Yarns, d'où le nom Phileas Podcast. Phileas Yarns, pour l'instant la boutique est en pause, je pense qu'elle va rester en pause pendant un petit moment. Pourquoi? Bah déjà, bonne année, hein, voilà, parce que je pense que j'avais fini le tournage du précédent épisode le 31. Je l'ai publié après la nouvelle année, mais je pense pas que j'ai filmé après le premier. Bon, bref, donc bonne année si vous êtes là, je ne sais pas. Et oui, début d'année un peu compliqué, un peu stressant. Oui, donc le reconfinement, ben, ça aide pas grand chose. Le travail vrai, celui avec lequel je paye mon loyer, tout va bien, mais il se passe pas mal de choses à ce niveau-là. Donc du coup, il faut que je lève le pied sur certaines choses pour mon bien-être. Et du coup, oui, la boutique... je sais pas que j'ai pas envie de teindre, hein, j'ai plein d'inspiration, tout ça, mais le temps me manque et j'ai pas envie de me stresser et de me ruiner ma santé et mon bien-être pour quelque chose qui devrait être un vrai plaisir. Donc pour l'instant je mets en pause. Je vous avais dit dans un précédent épisode, j'ai créé un nouveau coloris Luxembourg. Que je voulais lancer à la fin du mois pour un festival virtuel. J'ai annulé le festival virtuel parce que c'était pas possible quoi. Je pense qu'en plus voilà, en fait c'est le fait d'avoir une date à laquelle il faut que je finisse les choses. Alors, déjà dans la vraie vie pour voilà, c'est compliqué, ça devient très très compliqué.
Donc du coup, je mets le haut là. Donc la boutique réouvrira peut-être ce mois-ci, je sais pas. Il faut encore que je dessine. Pour l'instant, elle est fermée en tout cas. Mais bon, voilà, entre ça et du coup, c'est vrai que le deuxième confinement, j'avais fait ça au premier confinement où vu que moi j'ai un boulot à temps plein et qui me permet de payer mon loyer et de vivre, j'avais fermé la boutique au premier confinement pendant, je sais pas, 2 mois, 2, 3 mois. Aussi pour pouvoir soutenir les copines et collègues teinturières qui, elles, vraiment en vivent. Enfin, voilà, tous ces gens qui font de la laine, hein, elles et eux, hein, aussi les monsieur, qui vivent de leur business de laine. Et du coup, enfin, ça me plaisait pas trop de faire ça. Après, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais revenir avec ma boutique Etsy. Je vous le dis, j'ai plein d'idées, j'ai plein envie de faire plein de choses. Mais voilà, il faut remettre les priorités où elles sont. Du coup, trêve de blabla. Mais en même temps, on est en mode vlog. Si c'est pas pour faire du blabla, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, nouvelle année. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier, certes. Mais bon, comme je vous l'ai dit, début d'année un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas forcément eu le temps de venir vous parler avant. Là, aujourd'hui, vraiment, je prends le temps. Même si je sais que j'ai 1 milliard de trucs à faire. Mais bon, il faut prendre le temps de se faire plaisir et de venir vous voir. Donc du coup, nouvelle année. L'année dernière, j'avais fait une météo de mon étagère de laine. Et vous demandez pourquoi je me tiens devant mon étagère de laine là tout de suite, je suis sûre du coup, hein. Ouais, voilà, donc arrivée la nouvelle année, 1 an depuis la première météo étagère de laine, donc un peu un bilan et aussi du coup les envies et les petites planifications pour 2021. Et du coup, oui, pour moi, ça fait partie un peu du mode hygge, de se poser et un peu de... Oui, pas... j'ai pas envie de dire planifier vraiment, parce que c'est pas... Voilà, quoi, c'est pas le stress, mais bon, c'est vrai que c'est sympa de se poser et de regarder et d'avoir des idées, de s'inspirer et de penser au projet futur. Et moi, personnellement, je trouve ça réconfortant, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Du coup, quand je fais ça en général, j'ai envie de tout mettre en maille, de tout mettre en aiguille, tout monter en même temps. Et du coup, il faut que je mette le haut là. Et donc... Voici, me voici avec un épisode donc principalement consacré à mon stock de laine et ce qu'il va, j'espère, devenir cette année. Donc je vais commencer par un petit bilan météo de mon étagère de laine. En haut, au nord de cette étagère de laine, nous avons donc le stock d'écheveaux solitaires, de restes de laine, de l'écheveau qui me reste d'une quantité pull, mais il m'en reste pas beaucoup, il me reste un écheveau. Donc c'est un peu le... Je pioche au fur et à mesure, et donc c'est oui, ça reste vraiment un temps encombré au nord de mon étagère de laine, toujours, et je pense que l'éclaircie n'est pas pour tout de suite. Non, non, non. Étagère de pull au centre de mon étagère de laine. Par rapport à l'année dernière, nous avons une légère éclaircie. C'est pas trop mal, quoique nous avons de gros nuages ici, de gros nuages gris-bleu qui persistent. Ça persiste. Un petit peu en frontière centre et sud, nous avons les châles et cols. Oui, ça reste un petit peu nuageux, mais nous sommes en voie, je pense que nous sommes en voie pour une bonne éclaircie cette année.
Et forcément, le côté chaussettes et reste de laine fingering, laine à chaussettes, oui, c'est du nuage, mais c'est du nuage. C'est pas orageux, enfin, c'est des gros nuages, mais c'est des gros nuages qui ne nous dérangent pas. Voilà. Donc oui, nous avons un petit peu un temps mitigé selon les régions, mais ça va, ça reste, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas la catastrophe naturelle, tout va bien. Du coup, je vais essayer de faire ça par étagère. Donc en haut, je vous ai dit, alors je vais essayer de manipuler le machin du trépied. Je m'excuse si ça couine. Ok, hello. Donc en haut ici, nous avons donc les laines, comme je vous ai dit, où il me reste un écheveau d'une quantité pure, donc ça devient un écheveau solitaire ou des écheveaux solitaires tout court. Voilà, j'ai un peu mes restes de mohair, il y a du lin. Donc oui, enfin voilà. Et puis ça change un peu. Des fois, je fais un peu le tri ou je regarde un peu dans mon stock aussi. J'ai un autre stock de laine moins précieuse, on va dire. Le truc que je peux utiliser pour faire des accessoires pour après donner au... Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte, ça me... Doit avoir un petit bout de mohair qui me chatouille le nez. Oui, voilà, j'ai un autre, un gros sac où j'ai des laines un peu plus commerciales, ou des fois je mets des restes de laine pas commerciales. Enfin, bref, ça change un peu. Ouais, voilà, de temps en temps, je vide cette étagère, je la regarde, je dis ah non, mais ça fout ça, je m'en fous, je vais la virer. Je vais mettre ça dans un projet, un bonnet pour donner aux sans-abri ou aux réfugiés, enfin les trucs moins précieux. Puis après je dis, oh non, au final, je la remets là. Enfin bref, ça évolue par rapport à 2021 de ce stock un peu fourre-tout, on va dire. Ben j'ai mine de rien réussi à me débarrasser de ce qui devait être les deux plus vieux écheveaux que j'avais de laine teinte à la main. Donc ces deux écheveaux de Ginger Twist Studio de fil dentelle qui étaient bleu ciel, qui sont plus bleu ciel puisque je les ai surteints, éclair de génie. Donc que j'ai surteint et en fuchsia aubergine, enfin aubergine vraiment. Du coup, pour pouvoir tricoter avec un brin de mohair, que oui, j'ai acheté du mohair pour aller avec, mais bon, à partir du moment où enfin, moi, je pense que si on achète, à partir du moment où on achète pour pouvoir faire sortir, ça va. Je trouve ça acceptable. Et donc voilà, projet fini. Le Santolina de Marie-Amélie Design, je l'ai fini. Je l'ai fini là, genre le week-end dernier. C'est un peu pour ça aussi que j'ai attendu avant de faire cette étagère de laine, la météo machin, enfin cet épisode. C'est que j'étais sur la dernière ligne droite, je me suis dit tant qu'à faire, je le finis comme ça, je vous le présente. Donc voilà, je l'aime. Je l'aime d'amour. Donc oui, donc là, laine dentelle que j'ai donc surteinte avec un fil mohair de chez Beehive Yarns. Et oui, très bien. Alors le patron, donc c'était mon premier patron de Marie-Amélie Design. Et oui, non, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que du coup, je l'ai imprimé en français en me disant... Ben, c'est sa langue maternelle, donc tant qu'à faire dans sa tête, elle travaille en pensant en français. Donc c'était plus logique pour moi de prendre ce patron-là plutôt que le patron traduit. Je suis sûre qu'il est très bien traduit, mais ça faisait plus de sens pour moi. Seulement que moi, j'ai l'habitude de tricoter avec des abréviations en anglais. Donc des fois, j'avais un peu un temps d'adaptation par rapport à la mise en page et la manière dont les rangs sont écrits et décrits avec les différentes abréviations pour les augmentations. Enfin bref, il y avait deux, trois trucs où je regardais, je dis, quoi que je comprends pas. Au final, c'est très bien, franchement, nickel.
C'est monté. Ouais, c'est monté assez vite. Enfin, au niveau du. Ouais, ça va. C'était. Ça va. Parce que j'ai tricoté ça en aiguille 4. Même si le patron recommande une aiguille 4.5, je descends. En général, il faut toujours que je descende un petit peu de taille d'aiguille. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé, donc le pull se commence par en haut, se fait de haut en bas. Donc on fait le dos. Le dos, on fait après les devants. On fait un devant, et en même temps que les devants, voilà, il y a le. Est-ce que on va voir un peu? C'est d'un pratique contre. Ah ouais, un peu là. Après, voilà, quand on commence à monter le panneau de côte, des panneaux de côte de devant et de derrière, ouais, il y a un jeu de rang raccourci, enfin bref, c'est tout un bins pour pouvoir truquer les mailles. Hein, mon chouchou. Oh oui, tu la regardes la neige, tu l'aimes pas la neige. Hein. Moi, tu voulais pas sortir jouer dans la neige, hein, ou tu n'aimes pas? Que je me rappelle la première fois où tu as vu la neige. Qu'est-ce que tu m'as engueulé quand j'ai voulu te faire sortir tes petits coussinets doux sur la neige. Oui, donc ouais. Limite la partie, ouais, justement, où il faut un peu intégrer. Enfin, les. Je sais plus si c'est des rangs raccourcis ou des augmentations. Un peu des deux, enfin je sais pas, et en même temps donc de faire un peu cette mise en forme là pour pouvoir après commencer le corps, c'était un petit peu compliqué, mais au final, après l'avantage c'est que vu que c'est du mohair, le patron lui recommande deux fils de mohair, moi j'ai utilisé que un avec un fil de lace, mais voilà, le mohair au final c'est tellement fluffy que ça pardonne beaucoup, et du coup, voilà, même si ça avait l'air un peu bizarre et je pense pas que ça aurait été très saillant en laine normale, sauf si vraiment aucune erreur, quoi. Mais moi, je pense, je sais pas. Peut-être que je fais des erreurs, mais bon. Hop. Un petit peu de thé. Donc, voilà. Et à partir du moment où on va donc rejoindre. Niveau après l'ouverture des manches, les emmanchures, on va venir tricoter en rond donc le devant et l'arrière, on continue en rond comme vous pouvez le voir, c'est il se porte sur le jersey en enfin, comme vous pouvez le voir ou pas, il se porte sur le jersey en vert. Du coup, moi, quand même, pour me faciliter un petit peu la vie, j'ai fait un petit rang raccourci après avoir rejoint le devant, le derrière. Et du coup, je l'ai tricoté sur l'envers avec les parties jersey en maille endroit. Donc voilà. Après, c'est du tout droit. Il n'y a pas de mise en forme, rien. Une fois le corps fini, on vient reprendre des manches sur les mailles. Alors, soi-disant, c'est des manches ballon, mais franchement, voilà, j'attends de l'avoir apporté un peu plus pour un peu voir un peu si vraiment les manches me conviennent ou pas. Je sais pas, je trouve pas ça. Après, c'est peut-être moi, j'ai pas assez bloqué les manches, mais bon, en même temps, je. Niveau de la couture, je pense pas que je puisse vraiment faire quelque chose. J'ai pas envie de non plus complètement les déformer. Donc voilà. Donc les manches, ouais, voilà. Aucune. Enfin, aucune, si. Si en fait, avec les manches ballon, ce qui fait, c'est qu'il n'y a pas. Ouais, c'est peut-être en fait, il faudrait que je bloque parce que elles augmentent en fait. Il y a quelques rangs d'augmentation. Et après, là, on vient vraiment faire de grosses diminutions pour le poignet. Et du coup, ouais, j'arrive, je peux même pas trop. Ouais, ça va. J'allais dire, je peux pas trop remonter. Oui, un petit peu quand même.
Donc voilà, après de grandes côtes, une grande portion de côtes, une fois qu'on a fait les grosses diminutions. Donc oui, alors après, quand je l'ai juste fini, pourtant j'avais bien tricoté, mesuré, j'avais bien fait. Mais je trouvais ça quand même vachement court. Et pourtant j'avais l'impression d'avoir tricoté 300 ans hein, le corps, mais bon, je trouvais ça court. Mais après je me dis c'est du mérinos, l'avantage du mérinos c'est que ça s'étend, ça va. Donc du coup je l'ai bloqué dur dur en le laissant dans le lavabo bien longtemps qu'il s'imprègne bien, et après en le tirant, donc du coup en le tirant en largeur parce que c'est un pull qui soit censé être boxy. Alors après je sais pas, j'ai peut-être mangé trop de chocolat à Noël, de cupcakes et de biscuits. Il est un peu boxy, pas trop trop, donc je me demande peut-être j'aurais dû faire un taille au-dessus, je sais pas. Mais bon, j'ai réussi à faire que ça va. Il n'est pas serré, voilà, très bien. Et aussi, je l'ai vachement tiré en longueur. Et du coup, franchement, il tourne nickel. Je suis super contente. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je l'ai mis une fois il y a 2 jours. Je le mets aujourd'hui pour vous le montrer. Donc on va voir comment il tombe dans ma garde-robe. Mais en tout cas, cette couleur, je l'adore. Je suis assortie à mes lunettes. Du coup, je vais faire juste une pause caméra parce que il commence à s'affoler. Et quand il commence à s'affoler, l'appareil photo, c'est que ça fait 20 minutes que je dis plein de choses et pour rien dire. On enchaîne. Alors, donc l'étagère là, bon bah c'est pas vraiment vidé, puis j'ai changé. Donc il y a, oui, mes deux vieux écheveaux. Ça me fait quand même un fien fou d'avoir débarrassé de ces écheveaux. Là, le plan quasi immédiat, du moins de ce que j'ai envie de monter ce mois-ci, c'est d'utiliser cet écheveau de Rainbow Heirloom, c'est de la BFL Massam, pour faire une paire de mitaines dont le nom m'échappe totalement, mais de chez Fiber Tales. Bon, après, vu les projets à venir, j'en parle pas plus que ça parce que comme vous allez le voir, je change d'avis et que si je les fais pas, enfin voilà, bref. Ça me met moins la pression en fait. J'en parle, j'ai des idées, mais bon après c'est zéro pression. Donc ouais, ça c'est des mitaines que vous allez sûrement revoir bientôt. Ok. Étagère des pulls. Alors, étagère des pulls. Je vais prendre mes notes. Et boire un peu de thé. Hop, je vais rapprocher la chaise. Ah ! Je fais tout tomber, magnifique. Ok, alors, donc, les pulls. En 2020, j'avais pour but de faire des gilets. J'en ai fait 1,5 sur les 3 que je disais qu'il fallait que je fasse vraiment. 2,5, oui c'est ça, oui. J'ai fait du coup, ouais voilà, j'en ai fait, mais sur peut-être combien j'avais de quantité plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'avais 8 quantités pulls dans cette étagère début de l'année dernière. J'en ai tricoté et fini 1, 2, 3, 4 dessus. J'en ai un en cours et il m'en reste donc 4. 2, 4, 8. Ah ben non, du coup j'en avais 9. Je ne sais pas compter. Magnifique. J'avais 9 quantités pulls. J'en ai tricoté 4.
J'en ai un en cours, il m'en reste quatre. Ça va, c'est pas trop mal. Surtout que j'ai donc tricoté deux des gros grosses laines. C'est pas mal. Ensuite, ouais, j'ai fait le Morning Fog, le vert que je surkiffe. Avec le mohair. Ouais, non, c'est pas mal. Dans ce qui me reste de l'année dernière et que bah, j'étais dit, ouais, je vais trop le faire cette année, j'en ai trop besoin. C'est un cardigan avec un gilet avec cette solier de Ilsvag, la laine de Norvège. Donc, oui, c'est la laine que vous me voyez acheter dans le tout premier épisode de Phileas Podcast. Elle est toujours là. Mais oui, je vais la tricoter. Vous voyez une thématique là, un peu? Il faut vraiment que je la tricote et justement, c'est aussi toujours. Alors après, l'avantage quand on fait des rétrospectives comme ça et que on se dit je voulais tricoter ça avec ça, oui, j'aime toujours ce combo. Donc c'est toujours le Ezea de Marie-Amélie Design, un gilet avec des nops, des bubules. Les petits pompons, les nops. Ouais, ça me plaît toujours autant de cette combinaison. Donc je pense que c'est un. Si c'est pas le prochain, c'est celui d'après de pull pour moi que je vais monter. De ce qui reste de l'année dernière aussi, ce sont ces trois quantités pulls. Une, deux, trois. Gris bleu. Je n'ai pas du tout été dans une phase de gris et bleu. À part le bleu que hein, du boxing, mais bon, c'est pas grave. Mais ces trois pulls, au final, j'ai pas touché. Mon but de cette année, c'est d'en faire au moins un. Et il y a de grandes, grandes, grandes chances que ce soit avec. C'est laine, ben c'est les mêmes que la moutarde que je vous ai montré précédemment pour les mitaines. C'est la Rainbow Heirloom. Voilà, c'est la Rainbow Heirloom quoi. Heritage Decay Blueface Lester Massam avec de la Blueface Lester Massam qui sent bon. Je crois que ça sent bon. Patente naturelle que j'ai acheté chez mon fournisseur de laine, un de mes fournisseurs de laine, et ça va être toujours, je n'ai pas changé d'avis là non plus, un palette cleanser de Suzanne Somers. Donc c'est un pull relax, hein, c'est voilà. Autant le Ezea, il fait quand même un peu habillé, il va être un peu plus ambivalent. Pour le travail ou pas le travail, tout ça, autant ça c'est du relax, hein, c'est du relax. Les deux autres, voilà. J'aime toujours les laines, hein, mais j'ai pas d'inspiration là tout de suite, donc voilà. Et du coup, voilà, donc il me reste ces quatre là. Donc aussi, attendez, j'arrive. Donc celui qui est en cours, c'est le Stockbridge Cardigan. Du coup, vu que j'ai fini mon Santolina, je me suis motivée et j'ai repris les manches. Et ça n'a pas loupé, oui, hein, comme je le pensais, on reprend les mailles. Après, c'est une bonne série de grands raccourcis pour faire la mise en forme des épaules. Après, c'est un patron d'Isolda, c'est super bien expliqué, mais il faut quand même un peu faire attention. L'avantage, c'est que c'est des rangs raccourcis à la pas l'allemande, mais les rangs raccourcis comme quand on fait le talon, quand on tourne un talon de chaussette. Du coup, on referme les espaces entre les mailles glissées et enfin là où on tourne et le reste du tricot en les tricotant ensemble au fur et à mesure. C'est vraiment en fait, voilà. Si on regarde à plat, je pense que ça va être impratique. C'est un gros talon de chaussette en fait.
Donc ça va, c'est assez facile à se repérer, mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de rangs. Ça fait quasiment le tour, hein, je pense, de rangs raccourcis. Et donc voilà, après, j'ai 1 milliard de diminutions à faire, hein, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est en cours, je pense qu'il va être fini assez bientôt. J'aime. Donc c'est bien ça aussi. Donc le Stockbridge de Isolda Tigg et la laine que j'utilise, c'est de la. Est-ce que j'ai. Non, j'ai pas l'étiquette. Ah si. La laine, c'est de la Ainsworth Pren, The Knitting Shed, de la Slobideke Bad Penny, Merino, 85 Merino, 15% viscose nappe, les petits nuggets de couleur là, un peu qui fait un peu laine irlandaise. Donc voilà, ça avance bien. Si je mets le sac à tricot sur mes notes, ça va pas le faire. Donc voilà, ensuite est rentré dans mon stock de laine les nouveautés que j'ai achetées l'année dernière. Genre, même pas l'année dernière, je l'ai acheté cette année. Genre, j'ai passé commande le 3 janvier, un truc comme ça. Mais d'abord, qu'est-ce que j'ai acheté en 2020 comme laine en quantité pull que j'ai tricoté de suite? Pardon, excusez-moi, on va commencer par celle-là avant de passer au futur. Mon boxy en Old Maiden Hound que vous allez me voir porter un peu plus tard dans cet épisode. Que je l'ai mis avant de me changer pour vous là pour cette partie du podcast pour aller dehors. Non, bon, bref. Donc oui, j'ai acheté, j'avais envie d'un boxy, une envie pressante d'un boxy en bleu foncé, enfin bref, voilà. Il y avait des soldes chez Old Maiden Hound, donc j'ai acheté mes échevaux. C'est ça? Ouais. Ah mon Dieu, c'est tout qui tombe. Avalanche de laine. Cette laine-ci. Voilà. J'en profite pour me re-excuser de la lumière parce que forcément la fenêtre est juste là. Donc d'habitude, je fais face à la fenêtre. Là, je suis un peu. C'est un peu compliqué vu que l'étagère est à côté de la fenêtre. Enfin, bref. Technicalité. Donc ouais, j'avais envie d'un boxy. Et du coup, j'ai commandé la laine, j'ai monté mon boxy, j'ai fini mon boxy. C'était un besoin du moment de faire un boxy et de tricoter en rond, en jersey pendant des heures, sans rien penser. Merci Covid. Enfin, sans être malade, mais enfin merci les restrictions et les confinements ou voilà, on n'a pas envie, le cerveau est trop d'informations, trop de soucis, trop de tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas. Ouais, et sinon, j'ai aussi tricoté un pull en sport de Mylène Tintalamin, dont le nom m'échappe complètement, dans un pompon. Enfin bref. Donc voilà, j'ai un autre pull. Donc ce pull en. Comment il s'appelle ce pull? Trove? Je sais plus. En maille glissée que j'avais fait donc avec ma laine teinte à la main en sport. Des fois, c'est bien que je tricote avec ma laine teinte à la main pour vous montrer comment ça se tricote. C'est pas mal, hein? Et donc voilà, donc hors plan, ouais, je crois que c'est tout, hein, niveau des pulls hors plan. J'ai pas fait. Ouais, il me semble que c'est tout. Donc, je reviens à cette étagère de lait. Nous avons deux nouveaux arrivants en stock pull. Enfin, un et demi, on va dire. Cette année est sorti un patron de la designer qui sous les réseaux sociaux s'appelle Shiny Super Hero.
qui s'appelle le Karma Sweater. Et c'est un gros boxy, voilà. Un boxy avec un gros jacquard intarsia. Donc intarsia, c'est pas le jacquard où il y a... où c'est tout le long en fait. Le jacquard ce qu'on appelle intarsia ici, c'est... Si vous vous rappelez quand vous étiez petit et que votre maman vous tricotait les pulls Goofy ou Mickey ou dans mon cas Droopy avec les plein de mini pelotes, en fait ça fait les gros motifs ou vraiment enfin voilà les trucs les gros panneaux quoi. Donc c'est ça l'intarsia et en fait oui donc Shiny Super Hero le Karma Sweater c'était donc ça donc en version boxy. Avec un gros visage, mais très cartoon, très kawaii, avec voilà, un peu comme ça, avec un visage souriant, avec une coiffure, avec de gros pompons, et je trouvais ça super, super mignon, super kawaii. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, super, ça me botte bien de le tricoter, je vais m'acheter de la laine pour ça, et voilà, je m'étais un peu excitée. Et du coup, j'avais acheté pour cette occasion de la Dererum Natura Ulysse, à savoir que je n'ai jamais tricoté de la Dererum Natura, moi, hein, vous savez. Donc voilà, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'essayer. La Dererum Natura, donc j'avais acheté ces couleurs, donc en couleur principale forêt. Ensuite, pour la coiffure, les cheveux, on va dire, j'avais c'est genêt, je crois, comme ça. Et après, pour le visage, après il y avait deux gros ronds pour faire les pommettes sur le tricot, donc quartz et sel, je pense. Hein. Et en fait les choses enfin, le temps un peu passé et puis je pense commencer déjà à réfléchir un peu à mon stock de laine peut-être novembre décembre et je me dis mais en fait enfin peut-être que j'irai le tricoter ce karma mais au final je sais pas si je vais le porter pas que je trouve pas mignon, mais je sais pas, ça doit être la quarantaine qui commence à me taper hein, dessus, me dit ouais, je sais pas. Enfin voilà, pas que j'assumerai pas, mais au final, je pense que je l'assumerai, voilà, je le porterai. Enfin voilà, après, ça me dit ouais, de toute façon, tu peux le tricoter, puis tu le portes à la maison en loisir, mais j'avais pas envie de tricoter un pull en Dererum Natura qui est une super laine pour pouvoir juste le porter à la maison, quoi. Ça me... Voilà. Du coup, j'ai un peu regardé un peu sur Ravelry. Je me suis dit, ouais, mais ce serait chouette de faire un jacquard. Les couleurs, au final, je les aime beaucoup ensemble. Et j'ai trouvé un patron qui s'appelle Burning, d'une designer qui s'appelle Rachel Isley. Et en fait, c'est un jacquard. Un jacquard qui tombe... l'empiècement, en fait, il descend vachement bas, même... en dessous de la séparation des emmanchures et en fait ça me plaît bien d'avoir fait ça ça me rappelle quand j'avais tricoté mon Arata avec la boucle laine verte et le Brooklyn Tweed marron parce qu'en fait j'étais partie d'une laine pour trouver un patron et enfin oui, pour le Arata, j'avais la Brooklyn Tweed que je voulais en couleur contraste. Du coup, j'avais un peu regardé les patrons qui me plaisaient. J'avais vu le Arata, puis après, j'étais allée chercher la couleur principale pour aller avec. Mais de ce processus, en fait, ça m'a fait choisir une combinaison de couleurs que j'aurais pas forcément... voilà, si j'avais commencé par le patron, que j'avais pensé aux couleurs de suite, comme ça, qui allaient ensemble, j'aurais pas forcément... choisis ça et au final le Arata c'est un des pulls que je préfère, c'est un de mes pulls préférés, j'aime vraiment beaucoup ce pull et du coup j'ai l'impression de retrouver un peu cet esprit là où en fait j'ai choisi une couleur de un ensemble de couleurs pour un projet particulier et au final de qui ne me plaît pas et en fait du coup j'ai cherché un projet pour utiliser ces couleurs. Mais si j'avais choisi le projet d'abord et les couleurs après, ça n'aurait pas du tout été ce combo-là, en fait. Donc,
Et finalement, voilà, parce que enfin, je pense, si je savais, j'avais pas eu à la base, si j'avais pas eu le patron qui a un visage, on va dire, jamais j'aurais pris un rose bonbon comme ça. Jamais. Jamais j'aurais acheté ça. Mais ah! Mais dans le jacquard, hein, quand je regarde le jacquard du Burning, franchement, je trouve que ça va être vraiment super. Ensemble, j'aime beaucoup ça. Même ces trois-là, c'est vachement sympa en fait. Donc voilà, et du coup, ouais, donc celui-là aussi, c'est où mon prochain pull pour moi, c'est ou celui-ci, ou le Burning, ou donc le gilet Ezea, un des deux. Il y a des chances pour que ce soit la Burning. Donc voilà, ça, c'est ça. Et ensuite, la demi-quantité pull que j'ai acheté, c'est qu'en fait, dans mes plans, je disais, qu'est-ce que j'ai envie de me tricoter pour moi en 2021, j'avais envie de me tricoter, on va dire, un nouveau pull de Noël. Alors, je le mets entre guillemets parce que voilà, j'avais pas forcément envie d'un jacquard, en fait. J'avais envie d'un pull un peu couleur de Noël, sans qu'il soit vraiment super Noël. Et ça fait un moment que j'avais envie d'essayer une laine. J'ai perdu l'étiquette. Qui est la Chimera de chez River Knits, c'est donc une compagnie de teinture à la main ici en Grande-Bretagne. Et en fait, la Chimera, il teigne à la main les fibres, peut-être même, ouais, voilà, deux fils. Et en fait, ils les font retordre chez John Arbon Textiles, la filature de chez John Arbon, pour créer ce côté marle, comme on dit, Marled Magic par River Knits, qui est un peu pompé chez Steven West. Et en fait, ça m'a toujours fait penser, quand ils ont sorti cette collection, j'ai trouvé ça super intelligent, parce que les seuls qui font un truc un peu similaire, c'est Spin Cycle, qui est la laine qui est utilisée beaucoup chez Andrea Mauri. Du coup, que va être ce pull de Noël pour utiliser le Chimera de chez Andrea Mauri? Je compte faire le Stonecrop Cardigan. Je vais faire la version cardigan, je pense. Elle me botte plus, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je mettrai finalement plus le gilet que le pull. Je ne sais pas. Après, je peux changer, mais je pense ça va être le stone crop, je pense. Ce qu'il me faut, par contre, du coup, trouver plus tard dans l'année, hein, c'est donc pour Noël, c'est la couleur qui va aller avec ça. Donc, je ne sais pas si je vais prendre une couleur naturelle, genre un beige ou un marron clair, ou si je vais prendre une couleur genre un jaune moutarde ou un autre vert ou un bordeaux. Peut-être un bordeaux, ça serait pas mal aussi. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Du coup, ouais, la couleur là, c'est poppies. Poppies, c'est les pavots, les coquelicots. Et du coup, je trouvais ça super sympa un peu avec du jaune, de l'or, des rouges et donc du vert. Aussi, je trouvais ça très très festif Noël, très traditionnel. Et donc voilà, ça sera vraiment plus tard dans l'année. Niveau des pulls, j'avais en début 2020 deux projets au long cours en vente de pulls. Un, vous savez qu'il n'est toujours pas fini, c'est mon Strathendrick, mon monstre jacquard. Je le sors pas, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, vous savez que c'est une galère pas possible de le montrer, ce machin, pour l'instant. Donc il avance, j'aimerais bien le finir pour la fin de l'année. Cette année, j'aimerais bien finir mon Strathendrick. Ensuite, l'autre pull que j'avais, c'était ce pull brioche, le cavalganté de Rosa Pomar.
que au final, vous le savez, il ne me plaisait plus. Du coup, je l'ai tout détricoté et il est devenu ce Vertices Unite. Donc le châle hors programme, mais bon, en même temps, la laine était très au programme, elle. Donc voilà, c'est un gros bout de mon stock de laine que j'ai réussi à transformer d'un projet qui me pesait au final en quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai bloqué, ça y est, je l'ai bloqué. La dernière fois que j'en ai parlé, je ne l'avais pas fait. Je l'ai bloqué et je l'ai bloqué à la vapeur. Je vous dis ça parce que il y a certains épisodes où on me demande c'est quoi blocage, machin, tout ça. Et du coup, là, j'ai bloqué deux projets de manière complètement différente. J'ai pas vraiment pris d'image quand j'ai bloqué mon Santolina. Parce que je l'ai fait, c'était tard le soir, enfin bref, la lumière, machin, tout ça. Par contre, puis je pense que beaucoup, là, je pense que maintenant, le wet blocking, c'est ce que les gens connaissent le mieux. Mais par contre, j'ai pris des images quand j'ai bloqué mon Vertices Unite à la vapeur. Pour vous le mettre à la fin, que vous voyez un petit peu ça. Quand je dis j'ai bloqué, je l'ai fait il y a genre une heure. Voilà. Voilà. C'est le vlog qui va durer 2 heures. Mais en fait, tout tient dans la même journée. Donc voilà, je vous mets ça en fin d'épisode en petit bonus. Et donc, je n'en reparle pas vers Vertices Unite. Mais je l'aime beaucoup. Maintenant qu'il est bloqué, je vais pouvoir le porter. Youpi! Youpi! Catastrophe! Catastrophe! On passe à la partie châle. Au final, des châles que j'avais des quantités pour au début de l'année, ben, j'ai fait mon Birds of a Feather. C'était un peu vraiment celui que j'avais vraiment envie de faire. C'était un peu la grosse bête, quoi, que je mets beaucoup ces temps-ci. C'est, comment vous dire, le gros châle doudou chaud, tout ça. J'adore, en plus, avec cette laine de chez Woolen Flower, alpaca, soie, je sais plus trop quoi, là, c'est d'une douceur, ce machin. Donc ça, j'ai fait mon Birds of Feather. Après, j'avais aussi ce kit de mini de chez Beehive Yarns que j'avais pensé mettre en châle. Au final, c'est des chaussettes. Mais bon, c'est utilisé quand même, hein, donc c'est bien. C'est sorti de l'étagère. Du coup, il me reste donc le châle, enfin la laine de chez Old Maiden Aunt. C'est de la laine alpaga vert comme ça avec 7 écheveaux d'alpaga naturel qu'on a ramené des États-Unis. C'est toujours là, c'est pas presseux. Ouais, voilà. C'est pas dans l'urgence, peut-être cette année. J'ai toujours les laines que j'ai eues dans mon Fiber Share pour faire un col sur moi avec une laine un peu naturelle comme ça, voilà. Là, pour l'instant, vous voyez, attends, là, je l'ai mis là pour... voilà, parce que c'était comme ça quand je vous ai montré. Mais là, pour l'instant, celle-là, elle a bougé là-haut. Voilà. Parce que, voilà. Ça limite, quand je me ferai ce col, un jour peut-être, je pense que je prendrai de la laine écrue de quelque part autre. Enfin bref. Et donc, ouais, c'était le deuxième, donc l'année dernière... J'avais donc dans les châles, il fallait vraiment que je fasse, je vais les faire en 2020, youpi. Donc le Birds of a Feather, ça c'est fait. Et après j'avais le Solar Flare de je ne sais plus qui dans ces laines de chez Teinture Sauvage. Les trois laines sont donc teintes à la laque, au lac, la laque, je ne sais pas. Processus différent, c'est pour ça qu'il y a plein de couleurs différentes. Et en fait j'ai changé d'avis. Voilà, typiquement, au final j'ai changé d'avis parce que ces deux couleurs vont bien ensemble,
Ces deux-là, je sais pas trop. Enfin bref, ça me. Pff, ouais, voilà. Puis moi et la brioche, au final, je pense qu'on n'est pas super copains. Je suis pas. J'ai pas eu le déclic d'amour pour la brioche. Donc ouais, j'avais pas envie. Donc du coup, j'ai changé d'avis. Je mets cette laine de côté, le mauve, et j'introduis un écheveau de laine de couleur naturelle. C'est un paquet, c'est de la laine que j'ai achetée chez mon fournisseur. En fait, ça vient, c'est des paquets de 500 grammes et c'est des dégradés de laine naturelle. Donc ça va du blanc au marron, en passant par toutes les couleurs. J'en ai quelques-uns pour mon usage personnel, on va dire. Hein, c'est vraiment pas. Mais j'avais envie, ça me plaisait bien d'avoir un peu différentes teintes naturelles. Ben au final, pour pas très cher, parce que je les achète en gros, quoi. voilà. Et du coup, là, ça me plaît vachement plus de combinaison. Vraiment. Ah ouais, non, c'est bien. Là, c'est bien. Et ce châle, du coup, le patron, c'est le Lunae. C'est le Lunae de Natasha Hornby. C'est un pull en mosaïque et je pense que vous avez dû le voir parce qu'il se construit. Donc il y a un premier triangle avec des rayures, donc en mosaïque, mais ça fait un peu des rayures comme ça, verticales. Et après on vient mettre une grosse section vraiment de mosaïque, mais en motif mosaïque, qui fait un peu des fleurs ou des. Enfin voilà, un peu ouais, mosaïque quoi. Tout au long et un peu des pampilles après en bordure. C'est un châle énorme, il faut beaucoup se concentrer tout ça, mais voilà, j'avais envie d'un peu d'un ouais, j'avais envie d'un châle mosaïque. En fait, j'avais ces deux couleurs en fait. Enfin voilà, à la base, il m'est pété que j'avais envie de me tricoter un chèche. Et puis au final, une chose est là, en regardant, j'ai vu ce patron et j'ai vu des combinaisons de couleurs et tout ça, je me suis dit ouais. Voilà. Et ça, il y a des chances que ce soit vraiment le prochain châle que je vais me tricoter. Ensuite, niveau châle, cette année, j'ai envie de me concentrer un peu sur les unicolores. Toujours, hein, mais je n'y arrive jamais à faire du unicolore, c'est pas possible. Mais du coup, niveau des quantités, pour les châles, j'ai envie aussi d'utiliser ma laine teinte à la main. Donc, il y a des chances que ça me prenne des envies de châle et du coup j'irai piocher dans du Phileas Yarns. Voilà, ensuite niveau, donc ça voilà, petite étagère comme ça. Et donc au final, voilà, les chaussettes, donc dans le sac. Hein, ouais, finalement, ouais, j'en ai utilisé quelques-uns des écheveaux pleins qui étaient dans ce sac l'année dernière. Ouais, c'est pas trop mal. Après, j'ai plein de restes. On verra ce qu'on fera avec hein, pour les petits accessoires. Après cette année, en 2020, 2020, pas du tout, nous sommes en 2021. J'ai envie de tricoter. Alors oui, pour moi un peu, mais je me rends compte que je commence déjà à avoir beaucoup, beaucoup de pulls. Que au final j'ai du mal à faire tourner un peu. Enfin voilà, faut que je prenne un peu du recul sur déjà ce que j'ai en pull, en tout quoi. Donc du coup, ouais, un peu de recul par rapport à mon tricot à moi, peut-être pour identifier après là où j'ai des manques et l'année prochaine 2022, donc reprendre du poil de la bête et compléter ces manques. Je ne sais pas, on verra. Et du coup, donc entre ça. Et aussi le fait que, ben, au final, donc 2020, on n'a pas pu voir du monde, vraiment beaucoup. Enfin, c'était très compliqué enfin, du point de vue relationnel avec les gens. En 2021, j'ai espoir que d'ici la fin de l'année, Noël 2021, on puisse un peu se voir et que je puisse aller voir ma famille, on croise les doigts, espérer voir ma soeur même peut-être. Et du coup, j'ai envie de pourricater. Mais mon entourage, je
je n'en dis pas plus là de suite. Oui, du coup, là, j'ai acheté de la laine pour compléter de la laine que j'ai déjà ici, mais c'est plus des expérimentations teinture. Enfin bref, c'est compliqué, mais je pense que je vous en parlerai dans un... où je pourrais faire plus posé en faisant une section tricot cadeau, parce que du coup, j'ai envie d'un peu d'étaler ça, de m'organiser pour étaler ça sur... sur l'année, voilà, du tricot, il y a un peu tout au niveau des choses que j'ai envie de tricoter, mais du coup j'ai, comme je sais que, je pense, je sais pas si elle le fait toujours, ma soeur regarde, après peut-être mes amis proches qui regardent, mais peut-être que je vais avoir envie de leur tricoter des choses aussi, ma mère j'en sais rien si elle suit ou pas, ou si elle va tomber dessus avant Noël, ou tout ça, donc je vais garder ça pour les formats où je suis plus posée, où je peux faire une section entière ou dire aux gens qui sont proches de moi, mes amis proches, ma famille proche, tu zappes toute cette section pour éviter comme on dit, les divulgachages. Donc voilà, c'est un peu le plan de cette année. Essayer de travailler sur ma... Après, j'ai des choses à faire pour la maison, d'où le... aussi le... comment il s'appelle? Le tissage sur branche. Que j'ai pas, toujours pas fini. Je vais finir, ça vient au prochain épisode. Je pense que je vais... en théorie, j'ai bien une semaine de repos qui arrive là, la semaine prochaine en fait. Et du coup, j'ai bien envie de me concentrer un peu sur finir ça et m'occuper de la redécoration de ma chambre. Donc du coup, en espérant que je me bidouille bien pour vous faire ça en format vlog, j'espère que ça va prendre forme comme je le veux et que j'aurai le temps comme je le veux aussi de faire tout ça. Ouais, donc voilà, donc ça c'est le stock aussi. Dernière chose avant de passer à, de conclure avec un peu la section blocage, comment on bloque à la vapeur et le reste et la conclusion que j'ai déjà tournée, la conclusion c'est magnifique, mais bon, c'était l'occasion était là, je l'ai fait. J'ai aussi un peu piocher, j'ai un peu regardé dedans les choses que j'avais tricotées il y a bien longtemps et je pense que je vais renflouer aussi cette étagère de laine en détricotant quelques articles parce que voilà, alors déjà il y a on parlait de la spin cycle, la laine spin cycle plutôt. J'ai ce col que j'ai tricoté en deux écheveaux de chez Spin Cycle. C'est le col Clementine Cowl, de je ne sais plus qui, d'une des deux spinsters, comment on les appelle. Mais en fait, les cols comme ça, je ne les porte pas parce que moi, j'aime pas. Je remonte, attendez. Voilà, c'est mieux quand même. Ça baille et j'aime pas. Moi j'aime bien porter un truc autour du cou pour avoir chaud au cou, là non. Donc je pense que je vais démonter et je porte jamais au final. Donc je vais le démonter et récupérer la laine pour faire je ne sais pas quoi. Des mitaines peut-être, faire des cadeaux. Oh, peut-être faire des cadeaux mitaines. Et après j'ai deux châles où... je vous en parle là, c'est quand on est jeune, qu'on commence le tricot et qu'on essaye de substituer des laines et que ça marche pas. Et qu'au final, il y a des raisons pourquoi on tricote des choses en certaines laines et pas d'autres. Nous avons c'est le Color Affection celui-là, de Vira Valimaki. Qui en théorie ça devrait être en mérino et que moi j'ai tricoté en laine Einbound de Istex. C'est de la laine islandaise qui n'est pas du tout élastique. Donc du coup, et en plus c'était mon tout premier châle celui-là.
Et du coup, voilà, en fait, il se détend pas du tout, et du coup, la forme, enfin, moi, j'aime pas du tout. Alors, la forme en soi, bon, moi, déjà, la forme, j'ai découvert que je n'aime pas la forme en croissant de lune. Ça fait les billes tonio là, en bas. Moi, perso, après, hein, ça, c'est perso, j'aime pas. Le problème de la laine, c'est que, voilà, le châle, je pense qu'il est censé être beaucoup, beaucoup plus grand parce que ça, c'est censé être en laine mérinos qui va gonfler. Là, ça a rien gonflé. Mais voilà, j'avais acheté ces couleurs en Islande. Par rapport, vous savez, vous avez un paysage de lave avec la mousse qui pousse dessus. C'était ça mon combo de couleurs. Donc voilà, la laine, j'aime beaucoup. J'en ai encore de la laine Istex d'autres couleurs. Donc je me dis que je vais peut-être, hein, sûrement même, récupérer la laine pour pouvoir la remettre ailleurs avec ses autres copains-copines Istex. Et un autre châle. C'est celui-ci qui m'a j'ai mis un temps fou à tricoter, très très compliqué à tricoter parce qu'en fait on commence celui alors le nom m'échappe complètement du patron. C'est un patron de Bristol Ivy qu'elle avait fait designer pour Brooklyn Tweed. Et là, c'est là justement le problème, c'est que c'est l'inverse du Color Affection, c'est que la Brooklyn Tweed c'était avec la Shelter, non la Loft, pardon. La loft, donc la fingering, la marron que j'ai dans mon Vertices Unite et dans mon Arata, qui est donc une laine qui agrippe, c'est une laine un peu sèche, hein, on est d'accord. Et moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise une laine de. C'est du Old Maiden Hound encore, mais c'est de la laine mérino soie. Alors, comme ça, là, il est joli à porter, c'est juste pas possible, parce qu'en fait, donc. On commence par le petit bout fin et en fait ça va en rayon de soleil et il y a des augmentations dans les côtes et oh, vous voyez un peu là à la caméra. Mais du coup quand je le mets en fait c'est enfin voilà. Alors déjà au final la forme en soi ouais je sais même pas comment il se met au final. Voilà peut-être un peu comme ça. Mais le problème c'est que vu que c'est de la laine mérino soie il glisse. Il glisse tout le temps. Donc c'est juste pas possible quoi. C'est juste, c'est vraiment un très mauvais choix de laine pour ce projet-là. La laine est super. Hein, je ne sais plus le nom. Enfin, voilà, ce marron me plaît beaucoup en plus. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ouais, récupérer la laine, il y a, je pense, 2 chevaux. Alors, il y a facilement 2 chevaux. 2 chevaux. 2 chevaux et un poney. Il y a 2 échevaux pleins et je pense j'avais dû racheter un troisième pour faire la bordure. Donc je pense qu'il doit y avoir 2 échevaux et demi. Donc j'aurai de quoi faire un châle qui se prête plus à cette laine-ci. Je pense que c'est tout niveau météo de la laine 2021. Voilà, comment vous dire? Oui, j'ai envie de tout monter à la fois. J'ai envie de monter ça, j'ai envie de monter mon Ezea, j'ai envie de monter mon châle mosaïque, j'ai envie de monter plein des chaussettes. Voilà, j'essaie d'être sage. Du coup, je vous retrouve. Bah, je vous retrouve là dans 2 minutes au final et à la conclusion. Donc en fait, on passe à la chose suivante. Hello! Je vais donc bloquer mon châle. Oh mon Dieu, les cheveux. Mon châle Vertices Unite. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Hein. Mon châle Vertices Unite. Magie du montage. En fait, je sais que je vais mettre ça à la fin. Que je veux mettre ça à la fin de l'épisode. Mais en fait, je filme ça du coup avant le reste du vlog. Donc. Oui, les techniques de blocage. Donc moi d'habitude je fais ce qu'on appelle le wet blocking. Wet c'est mouillé. Où en fait donc on vient tremper dans de l'eau plus ou moins longtemps selon ce qu'on vient de comment on veut étendre, à quel point on veut étendre la laine. Donc on vient tremper dans l'eau, après on vient un peu
squishé le surplus d'eau, hein, que ça reste humide. Et après, on vient épingler, alors ou poser à plat si on n'a pas besoin de faire de mise en forme, ou alors s'il y a mise en forme, de venir épingler sur un tapis de blocage, ou c'est genre les matières de tapis de gym. Ou alors moi j'utilise deux grandes serviettes de bain l'une sur l'autre, ça fait un peu d'épaisseur, on vient donc épingler selon les mesures et la forme qu'on veut le tissu, et quand ça sèche en fait ça va du coup garder la forme. Du coup moi j'ai fait ça sur le Santolina parce que j'avais besoin déjà de l'étendre en largeur mais aussi en longueur, et au final j'ai tiré au maximum et c'est nickel. Je trouve, hein. Pour l'instant, je l'ai porté hier, avant-hier, au travail, et franchement, je trouvais qu'il était pas mal, donc à voir sur la durée, mais bon, voilà. C'est un peu le principe du wet blocking. Et donc, en discutant avec une copine, une tricopine, on s'est fait petite session Zoom. Je parlais donc de mon Vertices Unite et que du coup moi d'habitude je les châle, surtout les gros châles comme ça, j'utilise la corde à linge. Mais là forcément il fait zéro quoi dehors, donc même s'il fait beau, je veux dire ça congèle, ça va jamais sécher. Du coup voilà, j'ai discuté, je savais pas trop comment j'allais faire, machin, tout ça. Elle m'a dit mais fais-le à la vapeur. Le steam blocking, steam la vapeur. Et c'est vrai que du coup, j'y avais pensé. Et du coup, là, je me suis dit, mais en plus, un, c'est très bien parce que ça va me permettre de pas. Enfin, voilà, gain de place, comment dire. Mais aussi par rapport au fait que la laine bleue que j'ai utilisée pour mon Vertices Unite, c'est de la laine indigo qui risque de dégorger si je le mets à tremper. Et du coup, de venir se taper l'encrus sur le blanc ou le jaune, peut-être. Donc, du coup, l'idée. Je vais tester, hein. C'est un gros problème. Je vous fais ça live en direct, quoi. Du coup, on va tester. Mais l'idée, c'est que du coup, en faisant section par section, ça a évité le transfert de couleur. Donc voilà, j'ai un peu regardé des vidéos sur internet et je vais utiliser la méthode de base où j'ai besoin donc de mon fer à repasser. Que j'ai mis plein d'eau, que j'ai mis à une température, la température la plus basse, mais qui me permet d'avoir de la vapeur. Hein, ça me fait rare passer les pas. C'est pas un de compétition non plus, tu vois. Donc voilà, et l'idée ce serait de venir donc sans toucher le châle. Sans toucher le châle juste un petit peu au-dessus et de balancer la vapeur, et du coup ça va détendre les fibres. Et du coup en plus Vertices Unite, ce qui va être bien, c'est de voir aussi la différence entre les parties où j'ai tricoté à partir de l'écheveau normal, donc le fil est très droit, et les parties où j'ai tricoté des pelotes où j'avais détricoté le pull en fait, qui sont déjà un peu bouclées, un peu hein, quand j'ai pris un peu la forme des mailles du premier tricot, et du coup ça fait une texture, enfin c'est pas du tout la même chose quoi. Je vais vous montrer tout ça. Mais du coup on va faire ça, voilà. Donc c'est expérience wet blocking. Chut, non non. J'ai acheté un fer à repasser qui s'éteint tout seul, qui se met en veille quand j'utilise pas pendant un moment. Et du coup, il faut que je fasse attention parce que s'il refroidit, du coup, le pizza peur. Bon, bref. Oui, donc, ouais, voilà, voilà, ça va être intéressant de voir aussi comment il se comporte sur la texture. Et du coup, j'ai commencé justement par la partie bleue qui est vraiment. Enfin, là, je la vois, la différence, elle est flagrante entre la texture où c'est la laine détricotée et la partie où c'est la laine qui n'a pas été détricotée. Bon, bref, allez. Je baisse la caméra, voilà. Hop. Excusez-moi pour les petits bruits du trépied. Et donc, du coup, on y va. Alors, vapeur, c'est là.
Franchement, c'est pas mal, hein? Ça me plaît cette technique. J'essaye de changer le point de vue pour voir si vous voyez mieux quelque chose. Là, vous voyez la différence entre le là où c'est les chevaux neufs et là c'est la partie où j'ai détricoté. Et en fait, c'est surtout cette partie-là que j'essaye de... de remettre un peu. Et là, vous voyez, franchement, c'est pas dégueu, hein? C'est pas dégueu, ça. Bon, alors forcément, ça prend un peu de temps à manipuler au lieu que de laisser sécher tout bêtement, hein, mais franchement c'est pas mal du tout. Après voilà, il paraît que c'est bien aussi sur les jacquards. C'est pas mal sur les jacquards justement, ben pour lisser, on va dire, lisser la texture, hein, parce que le jacquard, enfin moi là, ça fait des petites bosses. Alors après, il y a aussi une technique. Bon, là, je ne le fais pas là-dessus parce que j'ai la flemme et que voilà, quoi. C'est de prendre une serviette mouillée et saurée, de poser sur le tricot et du coup, de venir vraiment repasser sur la pâte mouille, en fait. C'est la technique pâte mouille. Il me semble que c'est comme ça qu'elle dit ma mère. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme ou si c'est un truc à encore inventer, mais... Voilà. Coucou chouchou. J'en profite d'avoir une petite bougnette à disposition. Coucou mon chacha. Pour vous conclure cet épisode. Conclure avant que je l'ai même commencé, hein, vraiment, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris. En plus, j'en profite, oui, parce que j'ai une bougnette. Parce qu'aujourd'hui, 14 janvier, c'est l'anniversaire d'adoption de la bougnette. Ça fait 7 ans que ce petit chat est venu avec moi. Mon doudou. Ouh, ça fait mal au bras, là. Du coup... Je vous dis à bientôt. Comme je vous l'ai dit précédemment, les vlogs, je ne sais pas combien de temps je vais les continuer. Tant que j'ai un peu d'inspiration et que j'arrive à caser des activités en mode Hugo, je le fais. En tout cas, même si je pose le vlog Hugo pendant un moment, je reprendrai à d'autres moments. C'est juste, bon voilà, les vlogs c'est sympa quand il y a des choses à montrer. Bon bref, les inspirations et tout ça, écoutez, je vous retrouve bientôt, prenez soin de vous, voilà, j'espère que d'ici à ce que je poste cet épisode, vous auront pas annoncé un reconfinement, le couvre-feu ça doit être déjà pas très très sympa, si vous êtes en France, après je sais pas, je crois au Québec vous êtes en confinement, je sais plus, en Belgique je ne sais pas non plus. Bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Bougnette, regarde la caméra, mon chouchou. Oh mon doudou.
Tu dis bonjour à tes fans? Tu dis bonjour à tes fans? Hein? Il y a tout le monde qui t'aime sur cette chaîne, plus que moi-même presque. Enfin, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que moi, je t'aime. Mais les gens, ils t'aiment plus qu'à moi. Mon doudou, mais t'es tellement jolie, on comprend, hein. Petit chat. Voilà. Prenez soin de vous, restez bienveillants. Qu'est-ce que tu fais, ça, encore là? Oh, mercredi. Allez. Voilà. Restez bienveillants et on se retrouve bientôt. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces en l'air, faites-moi un coucou, partagez, abonnez-vous, enfin tout ça, tout ça. À bientôt, ciao ciao.